Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va super bien aujourd'hui les potos. Petite vidéo sur. Petite vidéo sur A Black Tale Innocence. On continue notre aventure. J'ai pas fait du let's play épisode 1, 2, 3. C'est moi, quand j'ai le temps de rejouer, je rejoue. Puis je rejoue pas nécessairement à gameplay parce que moi je suis un de ceux qui aiment découvrir le jeu sans avoir besoin de live, car c'est des jeux que j'ai rejoué, j'ai refait des fois et c'était là, whenever, ça me dérange pas, mais j'aime bien des fois être dans ma petite zone de confort. Et je tenais aussi à vous dire, les potos, que vous allez avoir quand même pas mal de diversité sur la chaîne très prochainement. J'ai compte installer pas mal de jeux. Des jeux que j'avais. Des jeux que j'avais installés. Des jeux que j'avais désinstallés. Parce que voyez-vous, moi j'ai un petit problème. Petit problème psychologique. C'est que j'ai trois disques durs. Trois disques durs externes. Et là, mes disques durs sont pris à 40% et j'ai tout le temps peur d'en manquer. Ouais. De manquer d'espace. Essayez pas de comprendre, c'est le syndrome du verre à moitié plein, mais bon, facteur, je me suis dit, dans ce cas-là, le seul moyen d'y arriver de surmonter ce syndrome-là, c'est de se dire, il y a assez de place, j'ai assez de place, j'ai assez de place, de pas regarder les chiffres, j'ai assez de place. Mes disques durs sont pas encore à 100%, Allez, fait que j'ai le assez de siège place, du là. château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. Fait que L'histoire se prochainement. souviendra de cette bataille. Prochainement, je Par où vais j'entends réinstaller ça? des jeux. C'est un peu, comment dirais-je, un peu comme le syndrome de la guerre des consoles. Sauf que c'est drôle, la guerre des consoles, le monde ils font ça pour flatter un peu leur ego par manque de confiance en eux, une affaire de même. Par manque d'ego. Problème d'ego tout simplement. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Mais c'est quand même des très bons Hey, jeux. regardez ça! Ne bouge pas. Je reviens. C'est bon. Tu peux venir. Après toi. Bon. Il n'y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Oh, le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Lol. Bon. Bon. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. Évidemment, sinon ça serait pas le fun, là. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête.
Reste ici. Je fais vite. Tu peux venir. J'arrive. Tu peux t'en charger? D'accord. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va. C'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Ah oui, saute. Y'a pas de bon, y'a pas de truc pour faire de quoi là. Ah wow, je suis comme un peu pour le dîner. Plus d'alcool, ça va bien. C'est quoi? Il n'y a même pas de bâton non plus. Ah wow. J'avais oublié de prendre ça. C'est ma vie que je mets entre tes mains là, hein? Ouais, la routine quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu veux bien y aller? Ouais. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. Monter, on sera tous en sécurité. Ah, ok, l'échelle est là, ouais. Je peux pas monter sur le rempart, c'est quoi la joke, là? L'échelle est ailleurs. Il y aura aussi des poteaux sur ma chaîne très prochainement. Il y aura très prochainement sur ma chaîne du retour de Final Fantasy XV. Peut-être du Destiny 2. Peut-être du Destiny 2, mais c'est une chose est sûre, il va y avoir du Assassin's Creed aussi. Ouais. C'est comique qu'on en fait des fois. Oh god, wow. C'est comique qu'on en fait des fois les poteaux. J'ai peur. J'ai d'autant peur de manquer de place sur mon disque dur alors que j'ai 3 disques durs externes plus le disque dur interne de ma console là.
Il y en a qui diraient c'est le fun, oui, c'est le fun en. Ben oui, c'est le fun en Christ de manquer de. C'est le fun en Christ, c'est sûr, d'avoir plus de place, d'avoir tout le port USB plein. Mais bon. C'est ma vie que je mets entre tes mains là, hein? Ouais, la routine quoi. Dis-moi quand t'es prête. On parle de ça, il y a du monde qui s'est retrouvé plein d'excuses des photos pour ne pas acheter la. Tu préfères être en bas peut-être? La prochaine Xbox, il y a eu des excuses qui reviennent souvent, c'est qu'il n'y a pas d'USB-C. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben vas-y. On va y arriver. Personnellement, le USB-C, moi je connais pas ça, mais bon. Tant mieux pour ceux qui connaissent ça. Pour moi, c'est comme du chinois, là. Pour moi, le USB-C, c'est comme si tu me parlerais en chinois. C'est, je comprends pas trop, là, c'est quoi, là. C'est comme ceux qui me parlent de la 4K, ben, on parle pas la même langue. Moi, la 4K, je connais pas ça, là, mais bon. Puis aussi, quand on parle de teraflop, la console va moins de teraflop, mais elle va être plus. Mélie, ouais, je vide l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. Je sais pas c'est quoi les teraflops, mais bon. Il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, j'ai déjà trempé. Vraiment un bon jeu, mais ça demande d'utiliser pas mal son cerveau. Ça, c'est un des jeux qu'on ne peut pas tryharder parce que, oublie ça, vu que ça demande beaucoup d'efforts de ton cerveau, si tu utilises 100% de ton cerveau, tu vas crise d'avoir le cerveau fatigué tout à l'heure. Surtout qu'on peut pas utiliser 100% de sa capacité cérébrale. Mais bon. Mais bon, je pense que c'est mieux, sinon on se retrouverait souvent avec des mal de tête. Et hop! À la fosse, les cancres là! Oui! Parfait! Ça, c'est fait. Le dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Wow. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Lol. Encore des rats en bas. Eh ben, c'est reparti! Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va. Mais on vous entend crier. T'inquiète pas, l'orage couvre nos voix. On ira bientôt tous voir la tour. Oui. Bonne chance. Quand tu veux. Bien, je vais te faire monter. Ouais. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète conquirent le château d'ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein? Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Ça va aller, c'est juste...
un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Là, ici à l'Amazon. J'ai leur une histoire. Très drôle. Pour monter par là, c'est vrai, il faut être deux pour monter par là. Il faut être deux pour monter par là, fait que du coup on va trouver notre chemin les photos. Ça du dessus pour pouvoir se faire du linge. Oh, ok, je crois que j'ai trouvé quand même. Non, oh, ok, ouais. T'es pas sérieux, si tu veux aller à l'autre bout. Ah wow. Ce jeu est comme une ascenseur, ça monte et ça descend. Tui, ça monte et ça descend. Tout ça pour éloigner des hauts. Pas de l'autre côté, moi. Ils sont là. Je vais coucher comme ça pour sauter là. Je vais comment pour la barrière qui est là. Ah wow. Danse, elle fait de la claquette. Allez, on y est presque, putain. Et c'est
nobles paroles qu'elles s'apprêtèrent à récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cave pour toi, ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord, j'ai compris. Le château nous a sauvés. Oui, Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Très beau jeu, très bon aussi. Ça, c'est le genre de jeu, les poteaux, que dans le Game Pass, avoir un jeu de maître dans le Game Pass, ça fait plaisir, même sans le Game Pass. Moi, personnellement, quand il va être en promo, le jeu, c'est sûr que je l'achète. Mais qu'il soit en promo, le jeu, c'est sûr que je l'achète. Ça, c'est une des offres que j'aime encourager personnellement. Quand il y a un côté un peu artistique, mais il y a aussi une bonne histoire aussi. Il faut pas juste que ce soit beau visuellement. Tu faisais un cauchemar. T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là! Le soleil domine la lune au lieu de l'épouser. Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Tiens. Chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de... Sa maladie qu'Hugo a, c'est la macula. Ok. C'est pas la peste, quoi. Couronnement moins. Alchimique. Élixir. Waouh, le grand œuvre.
Il va foutre le feu, là. C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas! T'es un sorcier! Amicia, viens! Je te suis. Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Ça doit faire des siècles que ce château est vide. D'après Mélie, je fais pas confiance. Je fais pas confiance à Mélie. On fait tous les deux. Je suis sûr qu'elle est louche. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors t'es pas partie? Ah non, finalement. Bien. Faut qu'on parle. Oh non, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia! Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia! Viens, s'il te plaît! Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, en bas. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens! Je te suis. Vraiment un très beau jeu, Regarde, c'est de les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être? Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici! Un très beau jeu, vraiment. C'est excellent. Ah! Où vous allez? Oh, tu t'es fait de nouveaux amis? Oui! Amicia? Un très beau jeu. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, vraiment. Allez maintenant. Lucas, viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Oui, la macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinere. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas.
Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo ? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Bon, les poteaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un petit let's play du lundi avec A Black Tail Innocence, qui est un très très beau jeu. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau jeu et bon jeu aussi. Moi, un jeu qui est juste beau, non merci, il faut aussi que je sois bon. Évidemment, la beauté c'est d'un jeu vidéo, c'est pour moi, c'est secondaire, faut que le jeu soit bon. Mais bon, les poteaux, sur ce, les poteaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Et sur ce, les poteaux, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker et la partager si elle vous a plu. Et d'activer la petite cloche si vous ne l'auriez manqué de mes autres vidéos. Petit abonnement, ça fait toujours plaisir si mon contenu vous plaît, évidemment. Et en règle générale, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les poteaux. C'était Gizmo64. Allez, bon début de semaine. Ciao.